Ben moi j'ai exporté le son stéphanois à Montréal et ça a bien fonctionné. Et du coup je suis bien content d'être là, un petit week-end à New York et on profite pour voir les potes et en plus pour amplifier le phénomène de Buck. Voilà. Moi je suis vraiment content pour eux parce que c'est un groupe qui a commencé il y a longtemps mais qui a commencé qui est parti de rien et qui maintenant vient faire des shows à New York. Je trouve que c'est assez significatif et j'espère que ça va continuer parce que tu vois, ils le méritent quoi. Moi je suis venu de Rimouski et ces messieurs de Québec pour voir le spectacle de Dub Incorporation, unique en Amérique. Alors ça vaut 13 heures de voiture, tout ça pour la danse et l'amour de la musique et la diversité. Merci. Il n'y a rien à rajouter, je crois que c'est complet. Ça serait abîmer son commentaire. Là, je me rends compte que depuis deux jours, j'essayais de pas y penser, tu vois, qu'on allait vraiment jouer dans cette ville de ouf. Et là, maintenant, je réalise qu'on va vraiment y jouer. Je viens juste de faire le son de mon clavier, alors... Ouais, il est arrivé il y a pas longtemps, donc du coup, j'ai pas bien eu le temps de stresser. Non, mais ça va, c'est cool. Content. Plus content que stressé. For us, it's something very special, in general, to be here. But you know, it's just a club with people, and if it's French people or German people or American people or Senegalese people, actually there's no difference. Là, je me dis qu'on est à Andrézieux-Boutéron, dans un club à bar. Ok, voilà, on va faire un petit concert. Just to see you guys. Where? Indianapolis. Wow, how many kilometers? It's like, I don't know in kilometers, but we drove like 14 hours. Alright. It was awesome, man. Great. That's a great pleasure for us. Man, thanks, man. It was great, man. Awesome. Which country are you from? Well, I'm Mexican. Originally, yeah. Okay. I was born and raised in Mexico. Oh, and trust me, we listen to you guys like a lot, man. Really? How do you know our music? Okay. Well, I listen to reggae. I'm 35 years old, but I listen to reggae since I'm like 16. All right. So I know like all kinds of reggae. Yeah, of I go to like all kinds of places, you know. And like 3 months ago, I'm talking to my brother because we listen to you guys a lot. And we're like, we wonder where they're playing in Europe because you guys, you know, and we know you guys are from France, but we're like, I wonder where they're playing. So we're like, start checking online, and then we see that you guys are in New York. We couldn't believe it. I'm like, we have to go, you know. So we have to go, man. And oh man, thank you, Gabe. Oh God, I mean, it's great, man. Great. Thanks for the music. We are on a mini tour in America right now, and like I say, in a minute, we will be talking to them. So stay tuned, go nowhere, keep it locked. WCL 90.3 FM. Okay, names and so forth. You are? Singer. That's a name? No, my name is Henri. C'est Kamla. Kamla. Zigo. Kamla, Zigo. Okay.
Il a l'air bien barré dans son truc, quoi. On attend de voir à quelle sauce on va être mangé. On va bientôt savoir. You said this is Saint Tihany? Saint Etienne, that's where they're from. Tihany, Etienne, Etienne. That's you? Au début, on avait un peu l'impression qu'ils s'en foutaient, et en fait, tu vois, petit à petit, il a rentré dans le truc. Ils connaissaient pas le disque, ils connaissaient pas le nom du groupe, ils savaient pas ce qu'on foutait là, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Au début, ça peut être déstabilisant, quoi. Tu te dis, bon, qu'est-ce que tu fous là? Et puis après, petit à petit, ça s'est décanté, grâce au son. De Johannesburg jusqu'en Éthiopie, it's a freedom song for all sufferers. Monte à la hache, ne reste pas déçu. Britia, jamais on ne t'oublie. You know, in France, reggae is not a main music where that you can listen in the radio. So we did find some vinyls of our parents, like Black Uhuru or Culture. Stuff like this. I mean, did you really go to school to learn to play the reggae beat, or you just adapt it? From listening to the records, you adapt it. In France, there is no school to learn reggae. You know, at this period, there was not so many musicians that play reggae in France, and so we did learn in our way in France. You know, that's why it doesn't really sound as Jamaican reggae. I mean, I could practice as a Jamaican reggae, I mean, except for the heavy metal guitar, right. You know, but I mean, the drum, I mean, you know, the drum is right on target there. All right, cool. you know, cool. You know. It's a great group. And I expect, you know, to hear about them in the future. Because they're right at the moment where the reggae is concerned. You know, they're right there. But my only thing is, if they could do some English. Do some of their songs in English. Other than that, I mean, it's just like I'm listening to a Jamaican group. If you ask me if they have a future, they do have a future. Bon, bye bye, je t'aime, les risques sont-ils la carte toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Bon, bye bye, ton son est mal, les mises sont mettre pour faire ta teuf. Si ça tient, t'écoute pas. Bon, bye bye, je t'aime, les risques sont-ils la carte toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Bon, bye bye, ton son est mal, les mises sont mettre pour faire ta teuf. Si ça tient, mélange tous les styles pour que les soundboys décollent. Je vois des MC qui défilent, la maman qui s'affole. On va de ville en ville, même si elle garde le monopole. C'est la business à eux, pas sur ces gars qu'on se comprenne. Mais on les gêne là, et dans leur regard parfois je vois de là. So maybe why people from also different culture like our music, not only people that like reggae or that like oriental music or like hip-hop. Okay, c'est fini, merci beaucoup. Okay. Nous on galère souvent avec les trucs de presse et tout, mais elle est cool, hein. Elle assure, elle nous envoie les journalistes et tout. On arrive à New York en grande pompe, mon gars. On a rarement fait autant d'interviews, hein, quand même. Et puis en plus des interviews sérieuses, quoi. Ah bon, après, c'est un métier aussi, quoi. On voit bien qu'elle est dans son truc, qu'elle est sans arrêt en train de, aussi de dire que c'est, tout est génial, tout est super, que c'était le meilleur truc qu'elle ait jamais vu. On voit bien aussi que ça marche beaucoup dans l'apparence, hein, tu vois. Mais aussi, on découvre des trucs, hein, parce que ça, par exemple, ça, elle appelle ça une listening party. Et ou alors nous on est censé être là à boire notre coup et le mec il dit régulièrement au micro que, aux gens que ce qu'ils entendent c'est les gars sont là, venez leur parler. Donc, bien sûr personne vient nous parler, ça c'est normal. Et, mais c'est tu vois, c'est aussi une façon de découvrir des nouveaux trucs, quoi. C'est l'Amérique.